quand tu as l'argent, même qu'on ne t'aime pas, on te respecte. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, you know. Dans cette vidéo, tu l'auras bien compris, on parlera d'argent. Et l'orateur qui se cache derrière cette vidéo s'appelle le général, le révérend Camille Makoso. Ma personne, il va te parler d'argent comme jamais on ne t'a parlé par le passé. Donc, prends un siège, assieds-toi et écoute bien le message qui va te faire passer. Je refuse la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Maintenant, je vais vous décortiquer. Mes frères, vous voyez aujourd'hui des gens tels que Dorsey Yao, une de toi est à Dubaï. Elle est couchée dans la chambre. Elle dit ça coûte 1 500 000 francs. Mon frère, même si tu n'es pas allé vérifier la facture, elle a dit. Voilà. L'homme qui a l'argent n'a pas le temps pour les détails. L'homme qui a l'argent a tout à faire. Il pense à sa prochaine entreprise. Il pense à ses prochains investissements. Il n'a pas le temps pour ces débats de chiffonnier, les débats de caleçon, les débats de n'importe quoi, les débats de n'importe quoi. L'homme qui a l'argent. La pauvreté est une malédiction. Tout pasteur qui vous dit acceptez votre pauvreté est maudit. C'est Camille Makoso qui me dit je la suis. La première malédiction de la pauvreté, mon frère, écoute-moi, c'est pas une affaire de débat. L'argent est doux. Quand tu as l'argent, même qu'on ne t'aime pas, on te respecte. Quand l'argent est là, même si on ne t'aime pas, on est obligé de te respecter. Une fille comme Edoxy Yao, on l'a insultée jusqu'à aujourd'hui. Tu la rends comme tu as envie de prendre photo avec elle. Mon frère, dans la pauvreté, tout le monde se mettra à t'insulter. Mais quand tu commenceras à connaître la gloire et la richesse, les mêmes personnes qui t'insultent vont déplacer leur case au village. Pour dire au village là, ta maison et ma maison font face à face. La pauvreté a 5 malédictions. Quand tu es pauvre, quand tu n'as pas l'argent, et tu vois des gens qui ont des intellectuels ratés quand tu leur parles. Non mais expliquez-moi, c'est quoi la pauvreté? La pauvreté c'est un état d'esprit, tu mens. La pauvreté c'est quand tu n'as pas l'argent, tu es galère. Tu veux me raconter quoi ici? Non, la pauvreté, vous savez pouvoir tout l'argent du monde. Et puis vous êtes pauvre en esprit. Hein? Bon, toi, tu es riche en esprit. Et puis tu es riche en esprit, tes mains sont vides. Comment quelqu'un peut être riche intellectuellement et puis le pauvre? C'est la pauvre qui tombe, tu es maudit. N'importe quoi. Prenez Ecclésias chapitre 9, verset 16. Quand Makoso prend, dit, mais passant le verset biblique. Vous voulez parler Bible, Makoso? Je suis votre ami. Un père s'assoit, je suis assis tranquille. Prenez Ecclésias chapitre 6, le verset 9, le verset 16. J'ai dit. La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Mon frère, écoute-moi bien. Le pauvre a tort. Tous ceux qui partagent cette vidéo, vous ne serez jamais pauvres. Le pauvre n'a jamais raison. Allez à la justice. Le juge va venir juger la fille. Demande c'est qui et qui. On dit non, c'est telle personne. Avec qui? On dit non, il a fait un Libanais. Le juge commence à dire amenez-moi le Libanais. Je parle au Libanais. Je parle au Libanais. On dit non, amenez-moi le Libanais. J'ai trouvé mon Libanais. Toi là, c'est toi qui as fait avec mon frère ivoirien là. Je n'aime pas ça, hein. Hein? Mais tu dis quoi? Faut bien parler. Toi-même, tu es kabako. T'as dit, tu as raison. Et puis, dans ta raison, tu dis, mon ami, t'as dit, l'homme-même, t'a dit, tu as mon frère, tu as raison. Mais tu sais, dans la vie là, il faut avoir l'humilité, il faut être humble. Même Dieu dit, humilité va t'élever. C'est-à-dire, tu as raison. Mais dans ta raison, là, si tu n'es pas remarqué dans des familles, il y a réunion des familles, on sait que toi tu as raison, tout le monde sait que tu as raison, mais on va tourner la fête dans un ramba. Tout le monde t'a dit tu as raison, mais il faut te calmer, tu as tout gâté. Tu avais raison, mais de la manière dont tu commençais à faire là, tu as gâté ton père, peut te défendre. Ah, nous on voulait te défendre un peu plus. Ah, tonton a fait quoi de mal même? Même s'il a couché avec ton enfant, c'est tonton, ça se règle en famille, tu es sorti d'aller porter plainte. C'est quoi ça? Oh, pourtant on a violé ton enfant. Pourtant on a abusé de ton enfant. Mais parce que tu n'as rien, tu as tort dans la famille. Tu n'as rien en justice, tu as tort. Ça vous fait rire. Moi ça ne me fait pas rire. Ça me révolte. Ça m'a montré l'importance de l'argent. Je me rappelle à un moment donné, je suis assis. Parce que je n'avais pas d'argent. On m'humilie, je suis obligé d'attendre. Ma personne, comme tu auras pu le constater, ça c'est un message qui s'adresse à tous ceux-là qui pensent que dans le monde dans lequel on vit, on peut se passer d'argent. Non. L'argent nous suit de partout. Et comme il a si bien dit, le pauvre a toujours tort. Même quand il a raison, il a tort. Voilà pourquoi chacun d'entre nous doit se battre pour ne plus jamais avoir de problème d'argent. C'est capital, ma personne. Tu sais, nous vivons dans un monde où l'argent peut résoudre plus de 90% des problèmes que tu rencontres au quotidien. Et tu as les capacités de faire en sorte que l'argent cesse d'être un problème dans ta vie. Tu peux avoir d'autres problèmes. Ton enfant tombe malade, ta mère tombe malade, ou alors peut-être que tu es bloqué à un endroit, tu ne sais pas. Oui, ça, tu peux avoir des problèmes comme ça.
Mais chaque être humain a le devoir de se battre pour que l'argent cesse d'être un problème. Ma personne, le 13 octobre 2021, soit mercredi prochain, mon livre intitulé « Les pauvres sont égoïstes » fera sa sortie officielle. Ce livre, c'est un livre percutant, détonnant. Tout ce qu'il y a en, tu mets sur ça. Il faut absolument que tu cherches à te le procurer parce que ce que j'ai mis dedans, ça a la capacité de transformer radicalement ta vie. Mais je te précise une chose, c'est que si tu es sensible aux mots, ne le lis surtout pas. Parce que ce livre, je ne l'ai pas écrit pour me faire des amis. Donc là-dedans, je suis cru et je suis dur. Parce que je pense que lorsqu'on parle d'argent, surtout lorsqu'on s'adresse à la communauté africaine, il faut être cru et dur. Parce que c'est parce que nous, on a avec l'argent. Pendant que tout le monde se bat pour gagner l'argent, nous, on est toujours en train de dire que Dieu, 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 Dieu. Enfin, je ne t'en dis pas plus. Je donne rendez-vous le 13. On est ensemble.